Je me souviens des moments agréables. Y a pas eu de moment agréable! Vous nous avez coûté un nouveau partenaire de premier choix et un nouveau centre de vol spatial. Envolé tout ça parce que notre gars Koulos, monsieur gueule d'amour là, Brian Gilchrist, a foiré la mission! Vous allez vous traîner ça comme une pleine brouette de casserole. Je vais pas laisser un petit pétage de câble me détruire. Une seconde chance. Qui ne rêve pas d'une seconde chance? Ton ex-patron veut te reprendre. C'est Hawaï, notre ancien terrain de jeu. Aloha, Gilchrist, tu reprends la partie. Il faut que je te présente ton officier de liaison. C'est un rouleau compresseur. Un double expresso. Bonjour, mon commandant. J'ai vraiment la niaque aujourd'hui. Non, un triple. La petite amie de jadis, beau souvenir. Je sais même plus pourquoi on s'est séparés. Parce que t'es accro au boulot et que tu te crées du boulot pour éviter le vrai boulot. Si tu veux tout savoir, je travaille là-dessus. T'as tout foutu en l'air. Et j'ai reconstruit ma vie malgré toi. Je serai un atout précieux pour notre mission. J'ai toujours été un loup solitaire, c'est comme ça. J'ai pigé, vous êtes cynique. Vous voulez me sonder la cervelle, c'est pas de chance, elle est insondable. Avant que tout s'écroule, il y avait quelque chose de grand chez ce garçon. Cette fille, tu l'as eu? On bosse ensemble. Pourquoi tu fais pas ce qui te plaît? Toi, tu fais ce qui te plaît? Woody va bien? J'en sais rien, Woody ne communique pas. T'as vu? Il dit rien. Il a dit un tas de choses, en fait. Qu'est-ce qu'il a dit? Vise un peu ma virilité. Je fais de la muscu et je suis un petit peu trop beau pour te voir comme une menace. Allez, bonne soirée, Brian. Ah, il a dit tout ça? Un moulin à parole, ce type. Je crois que tu n'es pas revenu ici sans raison. Mettons tout sur le tapis avant que j'explose. Ce soir, mon commandant, je me suis amusée. Quelle que soit l'une des multiples formes qu'il prend, j'ai toujours remarqué que rien ne vaut l'amusement. Ton existence va devenir très, très compliquée. L'avenir n'est pas seulement ce qui va arriver. C'est une force brutale, dotée d'un solide sens de l'humour, et qui vous l'amènera, si vous ne faites pas attention.